Et salut à tous et à toutes, c'est Lady, attention pour la suite du Let's Play sur Tomb Raider. Et figurez-vous que je ne me souviens presque plus de ce qu'on avait fait la dernière fois. Je sais qu'on doit aller au temple, je sais pas quoi, pour arrêter Mathias, parce que c'est Mathias ou je sais pas trop quoi qui contrôlerait le temps pour qu'on puisse ne pas quitter l'île ou quitter l'île. Et donc, oh l'arc, c'est vrai que j'ai un arc de fou. Qu'est-ce que c'est que ce bruit horrible? Eh, tu vas arrêter ça tout de suite. Qui fait ça? Ouais. Donc c'est par où? Donc j'ai juste utilisé le marqueur pour savoir où est-ce qu'il faut aller. Bon, je pense que c'est par là-bas. Hein. La logique voudrait que ce soit par là-bas. Oh merde. Ah, je pensais que j'avais les pieds, moi. Hop. Ah, le bouton vert. Nice. Le vert. Le bouton. Très bien, go. Chut. Le tombeau doit se trouver dans les niveaux inférieurs. Très bien. Est-ce que je peux ouvrir? Non, c'est de l'autre côté qu'on ouvre. Très bien. Et le bouton? On peut l'utiliser pour faire quoi? Ah. Mais on doit pas aller en bas. Ah. Non, il est bloqué. Ah. Bah ok, très bien. Allons en bas du coup. Ah, bah non. Que je dois aller. Bah oui, mais non. Très bien. Quelle énigme compliquée, il manque des rails. Ouais. Et j'ai appuyé sur les boutons et... On peut pas. Donc tout simplement, on va monter là. On va... meurs. Allez là. Ok, je suis sur la bonne voie. Je dois juste trouver un moyen de faire descendre mon charge avec plus de force. Descends. Descends. Bon, tant pis. Ouais. Très bien, hop. Et maintenant, plus haut. Ouais, allez, plus haut. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va lancer des objets de type lourd. Ah, les munitions. Qu'est-ce que c'est? Commandement à agent de terrain. Ah. Stop. Trinity mécontent de l'absence de progrès. Stop. Stop. Acquisition du phénomène étoile impérative. Stop. Stop. Envoi d'un nouvel agent pour assurer succès de la mission. Stop. Stop. Très bien, un ordre de mission. J'ai même pas vu le bouquin. Très bien. Hein, faut ouvrir les yeux, hein. Donc si on allait là-haut, genre... Très bien. Et qu'on faisait tomber des objets de type lourd. Hein, pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi ici? Non, dites-moi, pourquoi faire? Enfin, il y a ça là, ça m'intéresse. Ah, le feu! Ah, le feu! Ah non, on peut pas. Tant pis. On va aller récupérer la caisse en haut là. Est-ce qu'on peut la récupérer celle-là? On dirait bien que non. Oh! Ah oui, mais si je la. Ok. L'arc. La touche ing. Non, c'est pas ça. Comment on fait déjà? Enfin, ah oui, voilà. Hop! Et le monte-charge tombera. Eh, what? Ok, le bail. Yeah! C'est bon, easy. Alors, des munitions. Ah, on est full. On est full munitions. Y'a quoi en bas? Absolument rien. Ici y'a rien. On peut pas lancer des trucs. Et si j'appuie sur le bouton, ça fait quoi? Est-ce qu'il remonte ou pas? On dirait que oui. Alors qu'il y a que 3 trucs. Hein. Ouais. Ok. Go! Descends! Non. À quoi ça sert d'aller ici? Ah! Meurs! Il faut absolument que je débloque ce qui reste. Fuu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 u
prennent feu ou pas? On dira pas. Je vais retourner ici. Il y a forcément un truc à faire ici, c'est obligé. Ah! Ah, meurs! Ah, meurs, 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 meurs. Encore 3... Ah oui, meurs. Ah bien. Pourquoi... Pourquoi la musique? Très bien, la musique qui fait stresser pour... Aïe, pour rien. Ah, là, oui. Il faut que j'aille là-haut. Je dois trouver un moyen de dégager le passage. Oui, c'est bon, tais-toi, là. Ah, d'accord, celle-là. Le fusil à pompe, c'est ça? C'est ça. Ok, elle peut pas monter. Ok, faut que j'appelle l'ascenseur et que je monte. Hé, hey, l'ascenseur, hé, hey, hé, hey, viens au troisième étage, hé, hey, hé. Hey. Waouh. Ouais, toujours plus de bruit. Et maintenant, on fait quoi, hein? Non. Et si je... Ah, bonjour. Oh oui. Hop là. Allez, cassé. Allez, meurs. Voilà. Plus qu'un, et le monde charge sera dégagé. Ouais, mais le dernier monde charge... Il faut que ça soit là-haut et je sais pas comment on y va. Et si, et si, et si... Faudrait passer par là, mais... On va aller voir. Du coup, j'ai débloqué le passage, mais bon, je pense que par ce chemin-là, il n'y a rien d'intéressant à voir. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir, c'est bien ça. C'était juste pour débloquer le truc. Aïe, ma jambe. Allez, hop, hop. Speedrun, speedrun. Dans tous les cas, faut que il se ramène ici. Allez, allez. Ah, c'est bon. Hop. Non, non, l'ascenseur ne fait pas de bruit, non, non, non. Hop. Voilà. Et là, il va tomber. Yaaaaaah. Meurs. Ah, j'ai pris des dégâts. Ah, voilà. Hop. Et là, il va y avoir des ennemis par milliers. On met le silencieux, on sait jamais. Oh le pépon. Hop. Toutes les armes sont rechargées. Yes sir. Donc hop, voilà, premier étage. Ah merde. Non, y'a personne. Meurs! Voilà, très bien. Es-tu là? Ah! Super tir à la tête! Très bien, plus d'ennemis. Plus personne. Hop. Hop. Alors. Oh trop nice. Œil de lynx, œil de lynx. Alors, y'a quoi ici? Oh nice, une carte. Qu'est-ce que c'est? Carte. Tab. Tab. C'est quoi ça? Ah, c'est les secrets, d'accord. Donc, c'est la première fois que je trouve une carte. Une carte. Bon, les secrets, moi je m'en fous un peu. C'est... C'est trop pour les casus, quoi. Mince, je voulais pas faire ça. Je vais prendre le coffre. Allez, meurs. Ah, y'a un truc derrière. Oh, Nid. Oh, Nid, ce qu'il y a derrière. Ah oui, Nid. Parce que
que les géocaches, c'est le bien. Oh, hop, hop, à moi. Voilà, il m'en manque une. Ah bah tiens, on va utiliser la carte. Donc ça, c'est les géocaches. L'autre est là-bas. Très bien. Et très bien. Bon, on y va. On y va, je sais même pas par où faut aller, mais on va passer par là. Ouais, on dirait que c'est bien par là. Ah! Ok, c'est ici. Pas d'ennemis. Genre pas d'ennemis, quoi, déçu. Ok, c'est ici. Non, la géocache, elle est où? Ok, elle est bien plus loin. On va explorationner un peu les lieux. Ah, il y a un truc là. Ah, les flèches, quoi. On va passer par là. Oh, des statues. Elles sont jolies, les statues. Quoi? Ouais, des munitions. Elles sont très sympas. L'environnement est très agréable. Par contre, on monte par où? On peut monter par là ou pas? Non, on peut pas. Bon, go fuck, hein. Un casque! La radio. Ah, nice! Prends le katana là. Ces personnages. Des guerriers. Oui. Ils étaient dans le tombeau de la reine. Ils la protégeaient. Oui. Mais encore. Et ça, c'est toi. Tu étais une sorte de général? Enfin, ouais, était, hein. Non, prends le katana. Tu t'es fait seppuku. Seppuku. Pourquoi? Oui. Ah, elle est cassée. Ah non. Magnifique. Non, pas magnifique, elle est cassée. Ah, toujours coupante. Oh. J'ai déshonoré ma reine. Le rituel a été corrompu. La prêtresse savait que seule la mort la sauverait et a donné sa vie. L'âme de la première et dernière reine est désormais prisonnière d'un corps sans vie. Sa rage provoque les tempêtes et ne s'arrêtera que lorsque son âme quittera cette terre. Mes gardes tempêtes ont juré de la protéger. Ils devront continuer. Sans moi. Son âme reste prisonnière d'un corps sans vie. Voilà d'où viennent les tempêtes. Très bien. Pour arrêter ça, il faut détruire le corps dans la chambre des rituels. Il faut que j'arrive à convaincre les autres. Oula, oulala. FD les gars, on va tuer un cadavre. Genre OMG. Oh merde. Elle est dans le tombeau. Merde. J'ai pas intérêt à traîner ici. Oh, s'il passe par là, je les déglingue. Mais bon, je pense que c'est trop facile en fait. Merde. Mais. Oh merde. Oh non. Ah non. Allez, meurs. Alors là, c'est qui le papa? Aïe! Oula! Ah merde! Ah mais ils ont des katanas, moi je veux un katana hein. Eh, je veux un katana moi. Où est-ce que je peux me cacher là? Wow, ouais, on va se détendre hein. Ouais. Ouais, parce que là je suis... Ah mais je vais me mettre là. Oh merde! Allez, viens là! Oh putain! Connard!
Il est mort. Il va rien faire du tout. Next. Oh la grosse merde. Oh la grosse merde. Eh bah non, je suis dans l'eau, je suis immunisé, lol. Putain, chaud quoi. Bon, ça a l'air de se calmer, tant mieux. Bouf. La vache. Ça fait longtemps que j'ai pas joué et... Putain, c'est dur. Ils sont où les autres cadavres? Ah, j'ai le hockey qui me prend là, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Des munitions par milliers. Oh, quelle belle position. Coquinou, va. Oh, toi aussi, mais quelle bande de coquins. Bon, alors le feu. Niveau munitions, je suis bien. Enfin, non, je suis pas bien, mais je suis bien, en fait. 31, bon, ça va encore. Oh, merde. Oh, dammette. Ah, c'est bon. Je suis large. Hop. Voilà, très bien. Oulala, la lune s'attorche plus vite que son ombre. C'est dingue ça. Bon, on approche du temple. Et ça, c'est cool. Enfin, je crois qu'on approche du temple. Sympa la musique. Ah, un co. Tu es où, bon sang? Allô? Oh non. Qu'est-ce qui se passe? On est attaqué. On a besoin d'aide. Ça, c'était évident. Oh non, bon sang, non. Il faut absolument que j'y retourne. Y a pas un moyen rapide, genre une tyrolienne ou... Ah. Hop. Allez, accroche ça à ça. Oui. Allez, à plus. À plus, bouffon. Allez, go là! Je peux pas aller plus vite avec la tyrolienne? Comment on fait déjà? Non? Ouais, c'est ça. Wouh! Yeah, 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 yeah! Tout ce que vous avez dans le bol. Allez, je suis là là! Qu'est-ce qu'il y a? Lara, Lara, croche pas! Y'a une putain de mitrailleuse dans le bateau là, go 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 là! Oh, pauvre petit chou, elle s'est pris une balle dans le bras. Quand tu vois la tête de Lara, excuse-moi. Merci. Cette fois, j'ai vraiment cru que c'était la fin. J'ai vu personne. Alors. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Whitman. Il a emmené Sam pendant l'attaque. Il va sûrement la ramener à Mathias. C'est notre faute. Merde. Enfin, c'est ma faute. Alors on fait quoi? On peut prendre le bateau. Et chercher de l'aide. Eux aussi, ils y ont cru. Tu avais raison pour Whitman, mais... Mais tu as vu les tempêtes. Elles ciblent les bateaux qui s'approchent. Des scientifiques qui étaient là pendant la Seconde Guerre pensaient que les tempêtes étaient contrôlées depuis la chambre des rituels qui est près du monastère. Je n'ai pas toutes les réponses, mais l'enlèvement de Sam est lié à tout ça. Et si on essaye de partir sans comprendre pourquoi, on mourra tous. Comme les pilotes. Ok. Et comme Ross. Bon, je sais pas ce qui se passe, mais elle a peut-être raison. Elle a raison, on ne peut pas retourner à la forteresse, c'est du suicide. Ce n'est pas là qu'ils vont. Ils vont l'emmener à la chambre des rituels. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir se rapprocher. Écoute,
Je sais bien que tu veux retrouver ta fille. Je comprends, tu sais, mais le combat n'est pas fini. Je ne te demande pas de me croire, Reyes. Je veux que tu me fasses confiance. Ok. On va mettre ça à l'eau. Allons. Allons. Bon, très bien, go là. Reyes, elle est chaude là. Allez, go, go, go. Remontez la rivière. Dès que tu seras prête, monte sur le bateau. Non, je refuse. Bon, d'accord, j'arrive. C'était une blague. C'était une blague honnête. Partez pas. Ah, go! Ah, go, go, go. Ah, go, ah, go, ah, go. Lara, qu'est-ce qu'on va chercher là-dedans? Tu tiens vraiment à le savoir? Non, mais dis-le quand même. Eh bien, l'âme de la Reine Solaire est restée prisonnière d'un corps sans vie. C'est sa colère qui est à l'origine des tempêtes. Si nous détruisons ce corps, les tempêtes cesseront. D'accord. Et pourquoi Mathias veut ça? J'en sais rien. Et c'est ce qui m'inquiète le plus. Écoute, je sais que ce plan doit paraître insensé. Ça, c'est sûr. Mais je crois qu'on n'est plus à ça près. Alors on y va. Allez, bateau qui navigue sur l'eau, daddy daddy. C'est parti. Oh ouais, trop badass quoi. Non. Moi seul. C'est toi, vous surveillez l'entrée principale pendant que je recherche Sam. Tu comptes y aller seul? Plus on sera nombreux, plus on aura de chances d'être repérés. En restant ici, vous allez pouvoir éliminer un maximum de ces salauds. Et je ne parle pas seulement des Solari. Il y aura autre chose. Des samouraïs, les gardes tempêtes. Bref, si ce n'est ni Sam, ni moi qui approche, vous tirez. Ma petite Kai, on se reverra. Ça, je te le promets. Ah bon? Tu peux compter sur nous, Lara. Ok, bah go, hein, du coup. Des samouraïs! Oh, c'est fait un bon temps. Oh, c'est magnifique. Ah, déjà?